Bang, bang, bang. I'm back and I get the back. Funny, right? Anyway, let's go. So, aujourd'hui, on va apprendre la règle de CVC. CVC rule or guideline. C stands for consonant, V vowel, C consonant. When do we double the consonant in writing? C'est l'écriture, right? So we're going to learn how not to make a mistake while we are writing some letters or some words, okay? We have here two rules or two guidelines. Maybe I forgot some others. Maybe you know some others. But today we're going to learn just two, right? Le premier c'est CVC rule for one syllable, okay? Un mot avec just one syllable. On a stop, okay? Et dans stop, on a P, consonne, O, voyelle, P, consonne. Okay? Drip, consonne, voyelle, consonne. Big, consonne, I, voyelle, G, consonne. Alors, pour écrire, pourquoi l'utilité de CVC? C'est pour pouvoir écrire correctement ces choses-là. Le comparatif, pour comparer deux choses, c'est-à-dire bigger. This house is bigger than this house. Bigger, comment est-ce qu'on écrit ça? Ça doit prendre deux G, c'est avec un seul G. Superlatif, right? Superlatif, c'est comparer une chose à plusieurs autres choses. The biggest house in the neighborhood. Le plus grand, ou bien la plus grande maison dans le quartier. Ok? The past. On peut prendre stop. On dit stopped. Ok? Stopped. On va faire la prononciation des mots qui finissent par ED, ou bien la prononciation des du ED. On va faire un cours sur ça. Le past. Le progressive, ING. ING. Stopping. Dripping, right? Est-ce qu'on doit doubler la consonne ou pas? Il faut faire attention, il faut remarquer juste deux, trois choses. Comment c'est écrit? F-A, C, consonne, V, voyelle, P, consonne. Right? Tu comprends rapidement? Cool. So, ici on a, et on dit, quand on a un mot avec une seule voyelle, comment dire encore? Just one syllable. On double la consonne quand c'est fini par CVC. So on dit stopped. Tu comprends? On dit stopped. Parce que quoi? Pour mettre ça au passé, on devait ajouter le ED. Et que c'est un mot qui a juste une syllabe, mais qui finit avec CVC. Donc on double la consonne. Pour mettre ça stopped ou bien stopping, right? Ou bien autre chose, what can I take here? We gotta compare, do the comparative. Ici, on a un mot avec une seule syllabe. C, V, C. On double. Dripping. Dans les Lorraine Herald, on dit Mouidok. It's dripping. Right? It's dripping. A drip is a dripping, right? It dripped. Là, on a aussi big. C, V, C. Pour le comparatif, on met bigger. OK? Comparatif, on met bigger. Pour superlatif, on dit biggest. Tu comprends? On a big. Une seule syllabe, C, V, C. Pour comparative, on va doubler la consonne. Pour séparative, on double la consonne. On ne met pas seulement biggest. C'est une faute. On ne met pas seulement bigger. C'est une faute. C'est comme dans fat. Fat, il y a C, V, C.
Donc vous mettez fatter. Ok, fatter. On double la consonne. Fatter. The fattest. On met. On double toujours la consonne. On est d'accord? Je vais effacer et revenir sur ça. Alors, ça c'est la première règle qui parle des mots qui ont une seule syllabe. Just one syllable, right? So, on a beaucoup d'exemples comme ça. On va partir sur the second one. Stress rule for two syllable words. Les mots qui ont deux syllabes. Ok? Une syllabe, c'est une partie qui contient au moins ou bien qui contient une voyelle. Ici, on a inter. Inter. Mais là, il faut faire attention à une chose, c'est le stress. Stress, c'est ce qu'on voit quand on utilise le dictionnaire. On va aussi faire un cours sur comment utiliser un dictionnaire properly. C'est ça, le stress. C'est là où on met l'accent. Le stress, c'est l'accent sur la partie sur laquelle on insiste pour dire le mot. Par exemple, ici, on dit enter. L'accent, c'est sur le E. Enter. D'accord? Et pour ça, je vais vous donner des concepts. Comment savoir où se place l'accent dans le mot? On a enter. Et que enter, c'est sur le premier. On ne double pas la consonne. Quand on a un mot qui a deux syllabes et que l'accent est sur le premier, ou bien sur la première, on ne double pas la consonne, même si on a C, V, C. C'est ça. C, V, C. Ok? On ne double pas, on met seulement entering. Ok? Ici, on a travel. Ok? On a admit. On a exit. On a begin. Ok? Travel, l'accent peut travel. Donc, pour travel, on va mettre quoi? Traveling. Or traveled. Ok? Ici, on va mettre admit. Et dans admit, on a l'accent on the second syllable. Admit. Admit. Ok? Et quand l'accent est sur le second, on double la consonne. On met. Admit. Admit it. On double la consonne. Et exit aussi. Exit, l'accent est sur le E. On ne double pas la consonne toujours. Exit. Right? Exiting. Ça reste toujours comme ça. Ici, on a begin. Ok? Begin, l'accent est sur le second. On met beginning. Happened. L'accent est sur le premier. On met, on ne double pas. Happen. Edited. Accent sur le premier. No double. Editing. Visit. The same. L'accent est là au premier. Visiting. Or visited. Right? On fait attention à l'accent. C'est placé au début ou au milieu. Ou bien sur le second. Quand c'est placé sur le second, on double la consonne. Quand c'est placé au début, on ne double pas la consonne. Il y a aussi des exceptions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup d'exceptions. Ce qui peut nous aider, ou ce qui peut vous aider, c'est plus de lecture, plus d'écoute à des personnes qui sont natives. Alors, je disais ici, how can we know the place of the stress? Pour ça, il faut vraiment, vraiment
s'habituer à lire un dictionnaire anglais, français, ou bien un dictionnaire anglais 100%. Ou bien regarder des films, watch movies or TV shows, des séries ou bien des films. La chose la plus facile, c'est faire avoir des films qu'on a déjà regardés en version anglaise, sous-titrés en anglais, pas sous-titrés en français. Parce que dès que c'est sous-titré en français, on ne regarde plus le film, on est là à lire en français. Parce que ce qu'il dit, c'est très rapide, c'est en anglais, c'est en natif, on ne comprend rien du tout. Right? Autre chose, ça j'en ai parlé tout à l'heure, on fera comment utiliser un bon dictionnaire et quels sont les bons dictionnaires. Chose plus simple aussi, acheter le décodeur de DSTV. DSTV decoder is 100% English. C'est 100% en anglais. Les chaînes, les films, les dessins animés, le foot, tout est en anglais en fait. Donc, en vous habituant à regarder ces vidéos, ces movies, ces matchs de football, ces dessins animés, you get familiar to the English and then know where the stress is put in any word. On va tourner le tableau. On a naturellement des exceptions. Il y en a des milliers. I just have these on my board right now, okay? For one syllable word, word ending in W, X, Y, Z or Z. Les mots qui terminent ou qui finissent par W, X, Y et Z ne suivent pas la règle de for one syllable. Rappelez-vous, ici on a dit, quand c'est juste one syllable, une syllabe, et que ça finit par CVC, pour mettre ça au gérondif, au passé, superlatif, comparatif, on doit doubler la consonne. Right? Mais ici, par exemple, low, ça devient lower, bien lowest. Lay, ok? Ça ne change pas aussi. Ok? Wax, waxing, ok? The same thing. Buzz, buzzer, buzzing, buzzer, right? A buzzer is not a comparative. Buzzer, c'est pas un comparatif. Ça peut être un nom. Le buzzer, par exemple, ceux qui jouent au basketball, ils doivent savoir, right? On a aussi équipe. Pourquoi équipe et quit peuvent être des exceptions? Pourtant, we have this and this. Ils ne devraient pas prendre naturellement. On ne devrait pas doubler la consonne parce qu'on a quoi? On a voyelle, voyelle, consonne. Voyelle, voyelle, consonne. Donc naturellement, on ne devrait pas appliquer la règle ici. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on considère ici? C'est le son. Dans equip, on a, c'est ça. Cool. Q, it becomes cool. Et quand c'est cool, donc là, naturellement, on a C, V, C. C'est la raison pour laquelle on a equipped. Ok? Ici aussi, on a quit. Alors, on a C, V, C. Ok? Et tout de suite, on fait quoi? Quitting. Equipped. Pour vous dire une chose, en anglais, le son importe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Right? On a fini ce qu'on devait apprendre aujourd'hui. Comment doubler la consonne. Quand doubler la consonne, quand ne pas doubler la consonne. Quand c'est un seul un mot avec une seule syllabe ou un mot avec deux syllabes. Quand il y a deux syllabes et que le stress ou bien l'accent est sur le premier ou bien sur la première, on ne double pas.
car l'accent est sur le second, on double la consonne. Quand c'est un seul mot avec une seule voyelle, subhanallah, une seule syllabe, on double la consonne quand ça finit par CVC. Les exceptions, on a là. Word ending with W, X, Y, Z, low, wax, buzzer, and we have also equipped, quitting, extra, right? Let me know if you have other examples, other exceptions, write it down here, and don't forget to follow our pages. Thank you so much.